Né en 1766, Jean-Théodore Latour était un compositeur français qui a écrit de nombreuses sonatines pour ses élèves pianistes. Voici justement le premier mouvement de la deuxième sonatine. Le style de ce morceau est très classique, et comme vous le savez, pour le mettre en valeur, il faut faire très attention à la ponctuation, bien différencier et même exagérer tous les liés et piqués, car c'est ce qui donne le charme aux pièces de ce style. Exemple dès le début à la main droite, lié, piqué, tenu. Lié, piqué, lié par deux, encore par deux, à nouveau. Et comme souvent, nous retrouvons dans ce style un accompagnement en basse d'Alberti à la main gauche. Dans ce type d'accompagnement, n'accentuez surtout pas les pouces qui sont répétitifs. Au contraire, concentrez-vous sur les autres doigts et allégez les pouces. Mesure 7, bien que la main droite soit un petit peu plus écartée, les doigts articulent. Essayez de garder cette forme arrondie des doigts et de ne pas jouer à plat. Mesures 10 et 11, 14 et 15, faites attention au passage du pouce. Mesure 18, n'hésitez pas à ralentir. Ensuite, piquez avant la reprise et ça reprend.